Rémi Cajarlin, co-gérant associé de la société Aurais Transactions, donc spécialiste de l'immobilier rural. Nicolas Frézard, je suis co-gérant associé sur l'agence Aurais. Nous sommes l'agence qui est en charge de la vente de ce bien qu'on peut qualifier d'assez unique, assez exceptionnel, la vente du hameau du Beuchot dans sa quasi-totalité. Le hameau du Beuchot, en quelques mots, c'est quoi? C'est 67 hectares quasi d'un seul tenant. Donc, dans ces 67 hectares, on va retrouver un étang qui fait 26 hectares, 35 hectares de surface agricole qui sont aujourd'hui libres de toute occupation. Ça veut dire que les porteurs de projets pourront venir s'installer et exploiter les terrains agricoles, donc en nature de pré essentiellement. Et puis donc la friche industrielle qui fait à peu près 1,50 hectare, qui a été entièrement dépolluée à la fin de son activité, c'est-à-dire à peu près dans les années 2006. Et puis après, l'ensemble des bâtiments, habitations comprises, où là on a quelques milliers de mètres carrés habitables. On se trouve ici sur justement ce qui était l'ancienne tréfilerie, qui historiquement était une forge. On retrouve les premières traces en fait de vie ici aux alentours du XVIe siècle avec les traces d'un moulin. Toute la vie qui s'est construite ici autour de l'usine, l'ancienne maison du patron, les deux anciennes maisons des anciens contremaîtres et les maisons ouvrières. Donc c'est vraiment cet esprit de mini-village qu'on pouvait avoir auparavant qu'on retrouve pleinement ici. Le côté unique de ce bien-là, c'est surtout de pouvoir vendre l'intégralité d'un site comme celui-ci. C'est souvent qu'on le retrouve au fil du temps, a été vendu par partiellement ou par lot. La chance qu'on a ici, c'est que la famille a pu conserver l'intégralité du site, c'est-à-dire en rachetant plus dans les dernières années la partie industrielle aux anciens exploitants. Donc, ce qui nous permet de proposer un site d'un seul tenant sur lequel l'intégralité des bâtiments sont à la vente, hormis deux, et ça voilà dans le détail. Mais voilà, surtout la partie importante, c'est qu'on a un village complet.